Alors oui, l'innovation crée de la valeur. Pourquoi? Parce que quand on innove, on est plus productif. Et être plus productif, ça crée de la valeur. Je prends l'exemple souvent du CRM, le logiciel qui aide les commerciaux à vendre plus. Et bien aujourd'hui, quand on intègre cette brique de l'intelligence artificielle dans ce logiciel-là, on voit qu'il y a un gain de productivité pour les commerciaux qui vendent plus. Comment? Ça se traduit dans ma gestion. Ça se traduit dans ma gestion par le choix de sociétés de croissance. Pourquoi les sociétés de croissance? Parce qu'une société de croissance, c'est une société qui croît plus vite que la moyenne de son marché. On prend souvent l'exemple, qui est très à la mode en ce moment, mais nous, ça fait 3-4 ans qu'on l'a dans notre gestion, qui est Nvidia. Pourquoi on avait choisi Nvidia il y a 3-4 ans dans notre gestion? Car c'était une société innovante sur un segment de marché très spécifique des semi-conducteurs. On a suivi Nvidia, on a vu son évolution, son innovation, et on a vu l'évolution d'Nvidia sur l'intelligence artificielle. Et bien, quel est notre rôle aujourd'hui autour de cette société Nvidia et les investissements qu'on fait autour. C'est vraiment d'avoir la pelle et la pioche qui va tourner autour de cette innovation et essayer de comprendre comment on peut capter un maximum la valeur liée à cette innovation. C'est vraiment notre rôle chez OptiGestion d'aller sélectionner ces valeurs pour les mettre soit dans la gamme de nos fonds, soit dans la clientèle privée et de pouvoir faire bénéficier à tous nos investisseurs de cette création de valeur, de ce gain de productivité que peut faire l'innovation.